c'est pas beau la vie. Oh, j'ai trouvé un bon siège. Reposer 2 minutes avant de rentrer à la maison. C'est déjà assez tard. Alors aujourd'hui, je vous parle un peu de ce que j'ai pris pour la course. C'était une belle course, hein. Donc j'ai pris ma planche GoPro. Elle est pas mal, hein. Il y a plusieurs fonctions. Donc vous mettez votre caméra en plancher. Voilà. Vous avez plusieurs positions que vous pouvez l'utiliser. C'est vraiment, elle est assez magnifique. Il y a un bonus que j'aime bien sur cette planche-là. C'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Vous allez l'accrocher là. Vous avez simplement sorti le trépied. Vous allez voir. Si vous voulez voir pour vos filmages, pour vos films, vous posez. Voilà. Comme ça, vous pouvez aller courir. Faites votre. C'est comme ça que je fais mes plans, mais ça que vous voyez sur mes filmages, c'est comme ça que je mets à 90% la caméra. Donc c'est très cool. Franchement, c'est très bien. C'est vrai qu'elle est à un prix, hein. En tout cas, en Suisse, je l'ai payé 72 francs chez M Electronics. Après, vous la trouvez un peu partout, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris encore? Ma ceinture Kalenji. J'amène toutes mes ressources. J'en ai pas beaucoup, hein. J'aime pas trop courir avec beaucoup de choses. Donc là, j'ai pris simplement la gourde. Je viens de la remplir. Elle est bien fraîche. Vous pouvez mettre 2 gourdes. Moi, plutôt, je mets mon Koé. Vous allez voir, pendant le film, je vous ai montré, il est là-dedans. S'il fait froid, vous pouvez vous protéger. En tout cas, ce matin, il faisait assez froid, donc du coup, je l'ai porté un peu pendant la matinée. Maintenant qu'il fait assez chaud, ben, j'ai plus besoin. J'ai un t-shirt de Quechua, aussi que j'ai acheté chez Decathlon. En fait, la majorité des trucs que je porte, j'ai acheté chez Decathlon. J'ai mes chaussures Keep Running Train de Kalenji. Elles sont magnifiques. Donc avec une très très beau tenue de route, je vous dis, elles sont magnifiques, hein. C'est vraiment un cadeau. On dirait que vous marchez sur les nuages. Avec les gros frises, vous risquez pas de vous glisser dans les montées ou dans les descentes. Franchement, moi jusqu'à maintenant, après voilà, peut-être un peu de chance ou pas. Mais j'ai pas encore glissé, elles tiennent très bien sur la route. Je suis vraiment très très content de ces chaussures. On va voir combien de temps ça dure. Je vous tiendrai au courant le temps de la durée des chaussures. Elles sont très 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 bonnes, très faciles, très légères. Puis le truc que j'aime plus sur ces chaussures là, c'est la petite pochette que vous avez pour les lacets. Voilà, comme ça, il risque pas de se détacher pendant la course. Il faut toujours rester attaché. C'est bien, bah, les shorts aussi de Kalenji, c'est très léger, c'est magnifique. Je les adore aussi, je les ai achetés, j'ai acheté en même temps que... Ils sont 20 euros. Ça, c'est... C'est pas bien le prix, je vous mettrai un lien sur la vidéo pour vous dire le prix. Les gourdes, ils viennent avec. Voilà, c'est ce que j'ai pris aujourd'hui. Je suis pas un grand... J'aime pas trop porter des trucs, hein. J'aime bien faire la course un peu libre. Parce que plus de trucs on porte, plus de charges on doit transporter derrière nous. Donc plus de poids à déplacer, autant que dans ces ascensions, on a déjà assez de poids pour... monter et descendre, alors encore rajouter du poids, je pense que ça sert à rien. Donc essayez de pas trop porter des trucs. Après voilà, ça dépend ce que vous allez faire. Si vous allez faire un pique-nique, ouais, bah, c'est normal, un gros sac. Sinon, si c'est vraiment juste pour la course, portez le minimum possible, parce que sinon vous allez vous encombrer avec autant de poids.
tout cas, j'espère que vous avez profité, vous avez bien aimé de la petite présentation de ce que j'utilise pour mes courses. J'utilise pas beaucoup de choses à des prix raisonnables. Franchement, c'est des prix très raisonnables que vous pouvez un peu trouver un peu partout chez Athleticom. Moi, je vais beaucoup chez, je vais pas vous mentir, je vais beaucoup chez Decathlon. C'est vraiment mon magasin préféré. Je vais en France, c'est un peu moins cher. Je sais que je devrais pas dire ça, mais c'est la réalité. Parfois, on est obligé d'aller où nos moyens nous laissent aller. Donc, si vous pouvez faire le déplacement, n'hésitez pas, faites un petit déplacement et puis allez acheter le truc où les prix sont plus bas. Après, si vous avez les moyens de vous acheter un peu plus, vous êtes plus tranquille. Mais même des fois, chez Athleticom, vous trouvez des bons soldes, des bons prix. Donc, n'hésitez pas. C'était un plaisir d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Et bah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ici on est dans les terres de Montreux. Ciao les runners. Bye.